Bonjour, Salty. Bonjour, Penny. Tu n'as pas trop chaud? Tu veux monter manger une bonne petite glace à la crevette? J'aimerais beaucoup, mais j'ai promis à Inyu de la rejoindre dès que j'aurai rapporté des algues à Ronda. Comme tu veux. La barque est prête, elle est chargée. N'oublie pas cette glacière pleine de glace à la crevette bien fraîche, au cas où tu aurais besoin de quelque chose de frais et de savoureux sur le chemin du retour. À plus. Merci, Salty. Oh, passe le bonjour à Inyu. Je n'y manquerai pas. Tu crois que Penny va aimer notre maison en neige, Nounours? Hein? Qu'est-ce que tu fabriques, Yuka? Je fais la plus grande forteresse en neige de tous les temps. Toi, tu vois toujours les choses en grand. Peut-être que lorsque Penny sera là, tu pourras venir prendre un thé avec nous. Ou peut-être que vous pourrez venir au grand bal dans ma forteresse. Une fois finie, elle sera assez grande pour tous les élèves officiers. Que c'est lourd! Tu devrais faire attention. Je glisse, je ne peux plus m'arrêter. Je suis en train de glisser. Où j'ai besoin d'aide? Yuka! Je vais t'aider. Tiens bon, j'appelle Topwing. Coucou, Inyu. Penny, dépêche-toi. Yuka va tomber de la falaise. Je ne vais pas tenir longtemps. Tenez bon, je vais faire aussi vite que je peux. J'appelle la team Topwing en renfort. Est-ce que tout va bien, Penny? Inyu et Yuka ont des problèmes. Je dois aller les aider. Que se passe-t-il? Il y a une urgence pour la team Topwing. Inyu et Yuka ont besoin de nous. Je pars pour l'île des ours polaires. Oh non. Brody et Rod, on se retrouve à la base Topwing. On ira là-bas ensemble. Allons-y. Dépêchez-vous, je vous attends là-bas. On va chercher nos véhicules et on te suit. Élèves officiers, Inyu et Yuka sont en danger. Penny nous a prévenus. On la retrouve sur l'île des ours polaires aussi vite que possible. Mais je ne peux pas y aller en bolide tout terrain. Tu peux venir avec moi, Rod. Non, attends, Rod. Tu devrais rester ici. Speedy et moi avons toujours besoin d'une autre paire d'yeux pour surveiller en cas de danger.